Bonjour, aujourd'hui on s'arrête sur la Cool Cat Transparent Overdrive version 2. Alors la version 2 est très intéressante parce qu'on y a rajouté des petits dip switch au fond de la cavité de la pile. Alors là, bien évidemment, j'ai enlevé la trappe, hein, on est d'accord, mais vous voyez, on les aperçoit ici. Alors nous verrons tout à l'heure ce qu'ils apportent. Un transparent overdrive, c'est donc un overdrive qui est censé être léger et qui est censé pouvoir être utilisé comme un boost lorsqu'on ne pousse pas trop le gain. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors évidemment, si on pousse le gain, on va salir un peu plus le son. Mais on garde quand même une certaine définition. Alors, un détail sur cette pédale, comme on peut voir, il y a un double potentiomètre avec les graves sur la bague et au milieu les aigus. Alors, ce n'est pas super pratique à manipuler. Bien souvent, lorsque on va tourner le potentiomètre des aigus, le grave va venir avec ou l'inverse. Donc, c'est quelque chose qui est à utiliser plutôt pour peaufiner le son, pour rattraper. Disons un peu l'égalisation de votre son plutôt que pour la définir. Il vaut mieux définir son égalisation à l'ampli ou sur la guitare et ici compenser uniquement avec ces deux potentiomètres. Voilà, on passe aux deep switch qui sont à l'intérieur. Donc ils mettent en fonction divers transistors, divers LED qui sont à l'intérieur. Donc on va passer sur le premier deep switch. Voilà, ils sont un peu durs à manipuler. On va s'occuper maintenant donc des deep switch qui permettent de mettre en fonction diverses LED à l'intérieur de la pédale et donc de changer le son. Alors moi j'utilise un tournevis que j'ai des gros doigts et j'ai du mal sinon à pousser les deep switch. Voilà, donc on passe deep switch numéro 1. Deep switch numéro 2. Numéro 3. Je rappelle ce que ça donne sans aucun des deep switch. Et puis maintenant, on va voir qu'on peut encore doubler les possibilités de la pédale avec un dernier switch qui lui va donner 6 décibels de plus de boost.
évidemment, quand on pousse les réglages, il n'est plus du tout transparent. Hein. Mais on va donc d'overdrive assez léger à des overdrive plus poussés. Avec les deep switch, on a des variations. Donc pour 50 euros, vraiment, il n'y a pas photo. C'est une pédale qui vous en donne pour votre argent. Sur ce, je vous salue bien.